L'année dernière, la pandémie a mis à mal bon nombre d'événements, parmi lesquels le Festival de Cannes, qui avait finalement dû être annulé. Mais les cinéphiles peuvent se réjouir, car l'édition 2021 aura bel et bien lieu. La cérémonie, qui se tient habituellement au mois de mai, a été repoussée du 6 au 17 juillet dans la Cité des Festivals. Pour la présider, Spike Lee, qui devait déjà endosser ce rôle l'année dernière, et qui a accepté de revenir pour cette 74e édition. Et le célèbre cinéaste sera accompagné d'une maîtresse de cérémonie de choix, puisque c'est Doria Tillier qui a été choisie pour les honneurs. L'actrice de 35 ans, révélée sur Canal+ en tant que Miss Météo dans Le Grand Journal, s'est par la suite imposée dans le cinéma français grâce à ses rôles dans Monsieur et Madame Adelmenou La Belle Époque, deux films réalisés par son ancien conjoint Nicolas Bedos et pour lesquels Doria Tillier a été nommée au César dans la catégorie Meilleure Actrice. Désormais maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes, la comédienne peut se targuer d'une belle ascension. Elle succède ainsi à Édouard Baird, qui avait assuré ce rôle en 2019. Festival de Cannes 2021, quels sont les films en compétition? 8 films français font partie de la sélection officielle, Annette de Léo Carax, Benedetta de Paul Verhoeven, Les Olympiades de Jacques Audiard, Tout s'est bien passé de François Ozon, Titane de Julia Ducournau, France de Bruno Dumont, La fracture de Catherine Corsini et Bergman Island de Mia Hansen-Love. Côté international, on retrouve The French Dispatch de Wes Anderson, Memoria d'Apichapongo Ira Seta Cool, Trépiani de Nanni Moretti, Flag Day de Sean Penn, Haut et Fort de Nabil Ayouch, Un héros de Asghar Farhadi, Red Rocket de Sean Baker, La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov, Nitram de Justin Kerzel, Ninegi de Mahamat Saleh Haroun, Les Intranquilles de Joachim Lafosse, Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, Itinéraire 6 de Juhok Mohin, Le Genou d'Aed de Nadav Lapid, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi et L'Histoire de ma femme de Hit.